Aujourd'hui, c'est férié. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Il est 8h30 du matin, je pense que ça se voit. Et je vous emmène pour une journée avec moi. Let's go. Alors le programme de la journée, il est assez simple. Aujourd'hui, c'est férié. Et j'ai un entraînement. J'ai mon entraînement avec mon préparateur sportif. Donc, je dois la faire assez rapidos. Parce que j'ai l'entraînement dans 1h30. Donc, je dois manger très léger, mais quand même manger quelque chose. Et assez rapidement, parce que sinon, si tu manges trop tard avant l'entraînement, on connaît, hein, tu peux vomir, tout ça, c'est pas le but. Donc là, je suis en train de tout préparer. Alors, le but de ce format, le format, il est un petit peu différent. Le but, c'est justement de vous amener un peu plus dans ma vie, dans mon quotidien, mais dans ma vie réelle. Donc moi, je suis pas trop dans les ambiances douche froide, on se réveille à 5h du matin, etc. En général, je me lève à 7h30, un truc comme ça, et je prépare ma journée et mes plats. Alors en général, le petit déjeuner, c'est le seul plat que je fais moi-même. Sinon, les autres plats, ils sont prêts par un diététicien parce que je t'avoue que j'ai pas trop le temps. Mais le petit déj, j'aime bien le faire moi-même et en même temps, ça me permet de checker des vidéos YouTube ou checker mes mails, me réveiller tranquillement et en même temps, j'ai ma routine. Donc là, vous voyez, ce sont mes compléments alimentaires. Donc il y a un peu de tout, hein. Ashwagandha, glucosamine, oméga 3, ça y est, ce sera pour tout à l'heure, ça. Le collagène, ça c'est le soir. Voilà. Donc, vous voyez, hein, on est un petit peu suivi en termes de diète. Parce que, ben, on bosse partout, on court partout, c'est bien, mais il faut quand même faire attention à ce qu'on mange, à sa santé, etc. Et donc, on fait appel à des personnes qui maîtrisent. Bitch and I start the V. Snakes in the grass so they harder to see. My brother would give up his life to the O. He told me he'd go be a martyr for me. Said that she ready to corner the six. I hit up Pauline to charter the P. Voilà les gars, on est prêt. Maintenant on se retrouve dans la voiture, direction la salle de sport. Let's go. Atlanta was sad cause that nigga been going harder than me. Nothing to change, I'm just harder to please. Ferrari is making the SUV. Voilà, on est en route vers la salle de sport. Grosse séance prévue aujourd'hui. D'ailleurs, je vais vous parler un petit peu de l'importance du sport quand même dans l'entrepreneuriat, même dans la vie de tous les jours. Parce que j'ai eu plusieurs phases dans ma vie. J'ai eu une phase où j'étais à fond dans le sport, j'étais très fit. Là, on mettra des photos. Et puis, j'ai eu une phase où je me suis beaucoup plus focus sur le business, sur le fait de faire de l'argent, etc. J'ai mis un peu le sport, la santé, etc. de côté. Et en fait, je me suis retrouvé dans une situation où je gagnais bien ma vie, les business tournaient bien, c'était cool. Mais physiquement, c'était plus trop ça. Et même au niveau de la santé, j'avais eu un petit avertissement qui m'a quand même calmé et qui m'a rappelé que voilà, faut quand même faire attention avec tout ça. Et donc voilà, donc aujourd'hui, j'ai décidé, depuis maintenant, ça fait six mois, j'ai décidé de bien reprendre une bonne hygiène de vie, de reprendre le sport. J'avais fait ce qu'on appelle un monk mode. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous connaissez la chanson. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur les réseaux, je t'invite à venir me suivre. Hein. Donc, on va mettre l'Instagram juste ici. Et moi, j'adore faire pendant l'hiver des monk mode. Donc, c'est un moment où je suis très focus sur mes business, mais aussi sur la santé, sur le sport, sur ce que je mange, etc. Et ça a vraiment été un déclic pour moi. Et c'est vraiment ça qui m'a permis de me remettre vraiment dans le rythme. Et là, justement, il va recommencer à faire plus beau. Donc, on est en Belgique, hein, la météo, c'est pas fou. Mais en fait, moi, comment je fonctionne en général, j'ai 6 mois dans l'année où je suis plus à Bruxelles, à la maison, tranquille, et je travaille. Et j'ai 6 mois où je vais beaucoup plus voyager, profiter, être plus au soleil, etc. Donc là, maintenant, on arrive un peu dans la transition. L'été va arriver, je vais commencer à aller beaucoup plus dans les endroits comme le sud de la France ou autre, voir des amis et travailler depuis là-bas, mais être beaucoup plus en mouvement. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez bien voir dans les vidéos, ce que vous voulez que je partage. Bon, je ne regarde pas parce que je suis focus sur la route, hein, c'est normal. Et comme ça, voilà, je regarderai par rapport au contenu que je peux faire avec des potes, etc., ce que je peux partager. Voilà, parce que des fois, j'ai des amis qui ne veulent pas trop être devant la caméra, donc là, ce sera un peu plus compliqué. Mais il y en a d'autres qui n'ont aucun problème avec ça et qui ont des trucs hyper sympas à partager. Donc, n'hésitez pas. Et comme ça, ça donne du contenu en plus.
on est occupé à la pratique. Donc on devrait respecter la deadline qu'on s'était mise, même si je pense, et ça je voulais te poser la question, notre formation probablement sera disponible à partir du... Voilà, là c'est un appel que j'ai eu avec une personne qui suit mon programme. Et c'est un entrepreneur que j'accompagne. Comme ils peuvent me contacter à chaque fois en note vocale ou en message, ben, je réponds entre mes tâches quand j'ai le temps. Et là, justement, il m'a laissé une note vocale. Et je lui fais un feedback direct. Et puis comme ça, il a ce qu'il faut pour continuer à démarrer, enfin, pour continuer à travailler sur son business, quoi. Can't put too much on my ketchup, I said. 40th anniversary, flooded VVS. Trapping it at the fire and I might crash and wreck. Je vais te raconter l'histoire de ce t-shirt. Donc, comme tu peux voir, c'est la marque Lion Lift. Et pourquoi je le porte, c'est parce qu'en fait, c'est un des entrepreneurs que j'accompagne qui s'appelle Dimitri. C'est lui qui me l'a offert par rapport au résultat qu'il a obtenu. Et voilà, Dimitri, ben, c'est un jeune qui a créé sa marque de vêtements de sport. À la base, c'est un fan de CrossFit. Il a créé sa marque, donc va voir, va jeter un œil si t'aimes bien. Et aujourd'hui, voilà, je porte son t-shirt. Voilà, Dimitri, encore bravo pour le boulot et on continue ensemble. Let's go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà les gars, la séance avec Dams est terminée. Je vais vous mettre sur Instagram. C'est un ancien athlète professionnel, donc il m'a tué. Voilà, je reprends mon souffle, tranquille. Puis après, on va aller à la maison, doucher, manger, et on va continuer la journée. Voilà, encore merci Dimitri, le t-shirt au top. Il a bien fait le boulot. Allez, ciao les gars. Donc cette série de vidéos, cette série de vlogs, ça s'appelle Beyond the Lifestyle. Et pourquoi ce nom? En fait, ce nom, il a été inspiré par des remarques que beaucoup de proches m'ont dit. Et m'ont dit, en fait, en gros, ça veut dire au-delà du lifestyle, tu vois. Parce que la plupart des gens me disaient, ouais, Julien, c'est dommage sur tes réseaux, tu partages que du lifestyle, des voitures, des montres, mais tu parles pas assez de toi, tu communiques pas assez, tu donnes pas assez ton avis sur certaines choses, on voit pas assez ton quotidien, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas justement faire des vidéos comme ça, où je montre vraiment mon quotidien, comment je vis. Je montre la réalité aussi, parce que sur Internet, on a l'impression que les gens, ils sont à Mykonos tous les week-ends, etc. Alors non, je voyage quand même pas mal, c'est vrai. Mais j'ai aussi une certaine habitude et routine de vie. Montrer aussi des trucs sympas. Moi, vous savez que je suis un fan d'automobile. Donc, il y aura aussi des trucs automobiles ici. De la Ferrari, de la Lamborghini, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Je veux aussi des voyages, enfin pas mal de choses hyper sympas. Donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et voilà, bienvenue dans cette nouvelle série qui va s'appeler Beyond the Lifestyle. Et voilà les gars, on est parti. Voilà les amis, on est à nouveau à la maison, la séance est terminée, je me suis douché et tout, maintenant je suis tout propre, tout est nickel. Et là, c'est l'heure de manger, donc on a quoi? Du blanc de poulet, du quinoa et un demi-avocat. Donc voilà, en même temps je suis en train de regarder les chiffres de mes différents business, voir comment les choses se passent. Alors pour aujourd'hui, on va arrêter là. J'espère que la série vous a plu. N'hésitez pas encore une fois, si vous avez des suggestions, à les donner en commentaire. Alors je vais pas vous dire abonnez-vous, likez la vidéo, etc. Faites comme vous voulez, franchement c'est pas le but. De toute façon, si vous aimez, vous allez vous abonner. Si vous aimez la vidéo, vous allez la liker. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Julien, ciao. Kids at the house, hunting to a nanny. Stood on my 10, ain't nobody but